La fondation de Necromunda remonte au Moyen-Âge technologique, et celle-ci fut ramenée dans la lumière de l'Empereur au cours de la Grande Croisade, pendant la campagne connue sous le nom des deux guerres d'Aranéus. Les mondes de la continuité d'Aranéus étaient une série de planètes proches du système Sol, qui avaient maintenu des liens entre elles grâce à une série d'anciennes portes warp d'origine inconnue. Dirigée par une caste de technocrates depuis le monde d'Aranéus Prime situé au cœur du réseau des portes warp, la continuité était un royaume où l'industrie prédominait. Des mondes océaniques recouverts d'algues nourrissaient les planètes environnantes, celles-ci n'ayant pas eu la chance de connaître la même croissance végétale au cours des millénaires. La technocratie elle-même demeurait accrochée au siège de son pouvoir industriel, vivant dans des tours qui s'élevaient à des kilomètres au-dessus des montagnes de fer des cités ruches. Le premier contact entre l'Imperium et ce micro-empire eut lieu par accident. Un escadron de vaisseaux impériaux égarés qui revenait d'une campagne sortit du warp dans l'un des systèmes périphériques de la continuité. Malheureusement, avant qu'il ne puisse retourner dans le warp, l'escadron fut encerclé, abordé et submergé par des guerriers cybernétiquement augmentés. Les cris des astropathes de l'escadron résonnèrent dans l'Immaterium, et au loin, l'Imperium entendit ces cris et dirigea ses efforts sur la continuité d'Aranéus. Ne croyant manifestement pas aux déclarations des émissaires qui prétendaient représenter un empire plus grand que celui d'Aranéus, les technocrates, également appelés les seigneurs de fer, refusèrent de s'incliner devant l'empereur, mais l'invitèrent à rejoindre leur empire en tant que tributaire. En réponse, l'Imperium se tourna vers les Imperial Fist. C'est à Ashin Yunad, commandant de la 39e maison d'Inuit, que revint la tâche de mener cette guerre. Yunad était un guerrier chevronné, originaire de l'un des plus grands mondes vassaux d'Inuit, et considéré par beaucoup comme l'un des plus grands stratèges de l'Imperium. Souvent sollicité en tant que commandant de flotte et maître de siège, il planifiait méticuleusement puis exécutait ses plans avec une brutalité sans faille. Comme il l'avait déjà fait auparavant, Yunad rassembla et prépara ses forces avec le plus grand soin. Après des mois à rassembler ses forces, la flotte de Yunad quitta son point de rassemblement sur Talarn. Ses forces étaient constituées de milliers de vaisseaux, transportant plus de 20 000 Imperial Fist ainsi que des millions de troupes de l'armée impériale et du Mechanicum. La totalité des forces de Yunad frappa comme un seul homme, écrasant un système périphérique de la continuité d'Aranéus en un seul jour. Avant même que les seigneurs de fer n'aient pu réaliser ce qui s'était passé, les forces de Yunad poursuivaient déjà leur route. Ils connaissaient déjà l'existence du réseau de portails warp de la continuité grâce aux émissaires envoyés, et ils voyaient un moyen de lancer de multiples attaques. Avec un portail warp déjà sous leur contrôle, l'armée de Yunad se divisa en plusieurs forces, attaquant en utilisant les portails warp. Dès qu'ils arrivaient dans un nouveau système, ils attaquaient, sécurisaient la porte et attendaient suffisamment longtemps pour fortifier leur position, avant de passer au système suivant. La continuité essayait de riposter, mais à chaque fois ils trouvaient leur propre porte sous le contrôle des forces impériales. Quel que soit le nombre de morts qu'ils arrachaient aux forces impériales, ils ont payé plusieurs fois ce prix. En deux mois, la continuité fut réduite à un seul et unique monde, Aranéus Prime. Leur empire s'étant écroulé, les technocrates dans leur tour de fer levèrent les yeux vers le ciel, et virent l'obscurité s'envoler au profit de la lumière générée par les réacteurs à plasma des vaisseaux de la flotte impériale. Ils se sont alors rendus, et le jour suivant, lorsque le soleil se leva, ce monde s'était ajouté à la longue liste des planètes ayant subi la conformité impériale. Dans le même temps, les commémorateurs descendaient à la surface des planètes, pour apprendre aux nouveaux citoyens de l'Imperium leur place dans cet univers et la réalité de leur nouvelle vie. Cependant, peu après cette victoire, d'étranges vaisseaux Xéno affluèrent des portes warp, de petits vaisseaux entourant d'autres vaisseaux bien plus imposants. Encore aujourd'hui, il n'existe que des hypothèses sur la raison de leur attaque et de leur véritable identité. Quelques récits parlent d'une obscurité plus profonde que le vide, d'éclairs vivants et de flammes. Cependant, une chose est sûre, ils n'étaient pas venus pour conquérir mais pour détruire. Six systèmes brûlèrent, leurs étoiles se consumant avant de disparaître. Alors même que les systèmes tombaient les uns après les autres, les vaisseaux impériaux se repliaient devant cette tempête de destruction. Le domaine qu'il venait de conquérir se volatilisant autour de lui, Yunad comprit qu'il ne pouvait en défendre qu'une partie au risque de tout perdre, et que même s'il triomphait, le coup en serait terrible. Malgré tout, il choisit de payer ce prix.
Des vaisseaux se sont alors précipités à travers les portes warp restantes pour transmettre ses ordres. Alors que cet ennemi inconnu apparaissait système après système, ils rencontrèrent les Imperial Fist. Ils savaient qu'il n'y avait aucun espoir de victoire, mais qu'ils pouvaient néanmoins ralentir leur progression. Au fur et à mesure que l'ennemi arrivait, ils firent exploser les ogives qu'ils avaient attachées à chaque porte warp. La lumière de chaque porte qui explosait était aussi brillante qu'un soleil naissant dans le vide. Les portes ayant été détruites, ces ennemis inconnus disparurent simplement. Certains supposent qu'ils s'enfuirent à travers le vide, ou qu'ils moururent dans le feu mortel provoqué par les explosions des portes. Quoi qu'il en soit, leur progression s'était arrêtée à Arrhenius Prime lorsque sa porte warp explosa. Tous les systèmes de la continuité furent détruits, à l'exception d'un seul. Et au prix de milliers d'Imperial Fist et de milliards d'humains, Arrhenius Prime survécut, mais de justesse. La destruction de sa porte warp et l'amas de vaisseaux qui avait pénétré les lignes des Imperial Fist avaient radicalement changé l'aspect de la planète. Sa surface fut ravagée par un feu surnaturel, ses ruches s'étaient fissurées et réduites en poussière, et ses grandes tours s'élevaient comme des dents cassées. En observant les vestiges carbonisés de ce monde, l'Imperium lui donna un nouveau nom, un nom qui faisait écho à un monde au seuil de la mort mais toujours vivant. Ils l'ont nommé Necromunda. Necromunda est un monde de manufacture, de mines, de raffinerie et d'usines, ce qui constitue sa principale force. La planète produit des millions d'objets exportés dans les systèmes stellaires voisins, et tout ce qui peut contribuer à maintenir son volume de production est exploité. Depuis la plus haute de ces montagnes, réduite en gravats pour son minerai, aux profondeurs de l'océan transformé en flaque de boue chimique, la planète est constamment pillée de ses ressources, et l'activité humaine est organisée pour être concentrée sur la plus petite surface possible. L'avantage d'une telle organisation est double. Elle maximise la surface de la planète exposée au minage à ciel ouvert, et permet aux milliards d'ouvriers nécessaires aux industries de naître, de grandir, de travailler, de dormir et même de mourir, au cœur de l'espace le plus réduit possible. Des déserts de cendres industrielles recouvrent la surface de la planète entre les ruches, comme une peau toxique et instable. Au cours des millénaires, la population de Necromunda a dépassé plusieurs fois la capacité de charge de la planète. Ainsi, ses habitants sont totalement dépendants des aliments recyclés, importés ou synthétiques. Chaque ruche dispose d'usines de traitement qui recyclent la matière organique en nutriments, référencés dans les manifestes officiels sous le terme de fécule de cadavre. Et les aliments importés de l'extérieur du monde sont un luxe que seuls les plus fortunés peuvent se permettre. Chaque génération contribue à la construction et à la reconstruction de sa ruche, et chaque niveau d'habitation supplémentaire agrandit la taille de la structure. La population de Necromunda, trop surpeuplée, n'a jamais été recensée, et il est peu probable que cela se produise. La tentative de recensement de la ruche Trazior, il y a 4000 ans, dénombra 1 milliard d'habitants rien que dans les niveaux supérieurs. Depuis lors, aucune tentative de recensement de la population des niveaux inférieurs de Trazior ou des milliers d'autres ruches de la planète ne fut tentée. La société de Necromunda est assez typique des mondes ruches majeurs de l'Imperium. Il n'existe aucune gestion centralisée de la démographie. La majorité de la population n'étant enregistrée nulle part, une telle administration est inutile. Au lieu de cela, un système plus ou moins féodal s'est développé, dans lequel les individus prêtent allégeance à d'autres plus puissants, qui à leur tour se mettent au service de membres plus importants de la hiérarchie. Ce féodalisme urbain est régulé de manière autonome. En effet, les clans les plus faibles cherchent naturellement à se protéger des voisins plus puissants, dont l'influence s'étendra jusqu'aux limites de leur propre capacité de ressources matérielles et humaines. Le gouverneur et seigneur de Necromunda est le commandeur impérial Gerontius Elmar. Sa famille règne sur la planète depuis au moins 7000 ans, les archives antérieures à cette époque ayant été perdues. Gerontius est peut-être le plus formidable de sa lignée à détenir le titre de seigneur de Necromunda depuis une centaine de générations. Né sous des signes astrologiques favorables et une rare convergence des trois plus grandes lunes de Necromunda, il a été murmuré parmi les voyants de la ruche Primus que Gerontius pourrait être le dernier de sa lignée. Malgré ses sombres présages, Gerontius a rapidement laissé sa marque sur la planète. Depuis son accession, la planète a prospéré comme jamais auparavant, malgré un niveau record de conflits entre les maisons claniques et leurs représentants.
Gerontius a également beaucoup fait pour assurer l'héritage de sa famille, donnant naissance à des dizaines de fils et de filles. La plupart de ses enfants lui en veulent, principalement pour sa longue vie et sa réticence à abandonner le pouvoir. Il n'aime pas non plus l'animal de compagnie de Gerontius, Blinky, une cariatide que beaucoup d'entre eux pensent qu'il aime plus qu'eux. Ce n'est pas sans raison, puisque Blinky a plus de personnel pour répondre à ses besoins que la plupart des nobles de la Spire. Aujourd'hui, Gerontius tient sa cour dans la Spire de la Ruche Primus, entouré d'une foule de conseillers et de sa garde personnelle. L'un de ses yeux est toujours rivé sur les milliards de personnes qui travaillent pour lui, tandis que l'autre est rivé sur l'Imperium, de peur qu'il n'interfère dans ses affaires. Le seigneur Elmar occupe le sommet de la pyramide hiérarchique de la société féodale de Necromunda. Cette dernière est divisée en factions qui sont tour à tour en coopération ou en compétition, si bien que la hiérarchie est en constante évolution. Cependant, Gerontius est indifférent aux querelles de ses sujets, et il ne parlemente qu'avec les factions les plus influentes, leur offrant son soutien en échange de leur loyauté. Si une des factions du jeu des pouvoirs devient faible ou déloyale, Gerontius n'a qu'à la priver de son soutien. La simple rumeur selon laquelle cela peut arriver pousse souvent les alliés de la dite faction à se retourner contre elle pour la détruire. L'Adeptus Terra laisse Elmar gouverner comme il l'entend, comme n'importe quel gouverneur planétaire. Et tant que celui-ci remplit ses obligations envers l'Empereur, il est assuré de conserver sa position. Celle-ci inclut à fournir la dîme impériale sous la forme d'un pourcentage de toutes les marchandises produites par Necromunda. Comme toute la capacité de production de la planète est tournée vers l'approvisionnement du reste de l'humanité, la dîme est en réalité une réduction appliquée aux revenus de Necromunda. De cette manière, tant que la planète continue d'accomplir son devoir et tant que ses capacités de production dépassent un seuil limite, l'Imperium se considère satisfait. De toute évidence, si l'économie de ce monde ruche montre des signes de faiblesse, alors la position de Gerontius deviendra bien plus précaire. Les mondes ruches comme Necromunda fournissent également une autre ressource précieuse pour l'Imperium, ses habitants. La planète produit des générations de jeunes robustes, à l'instinct de survie développé. Ils sont très convoités comme recrues par l'Astra Militarum et même pour certains chapitres Space Marine. Par conséquent, fournir un grand nombre de recrues est une autre des obligations du seigneur Elmar. Des officiels de tout l'Imperium viennent sur Necromunda pour des tournées d'inspection et organisent même des levées au sein des gangs. Gerontius en personne doit également fournir des troupes issues de sa garde personnelle, généralement sous la forme d'un régiment au complet. Comme la planète fournit de nombreux soldats à la garde impériale, elle est célèbre dans toute la galaxie, y compris auprès de ceux qui ne savent rien des us et coutumes de ce monde. Au fil des siècles, les régiments de Necromunda se sont battus vaillamment dans de nombreuses zones de guerre, et se sont taillés une réputation de féroces guerriers sur des milliers de champs de bataille. Une autre des obligations de Elmar lui impose de contrôler le nombre de Psykers. Sur la majorité des planètes, leur gestion est simple, mais l'immense population rend cette tâche beaucoup plus difficile sur Necromunda. Les Psykers sont des êtres extrêmement dangereux, bien plus que ces derniers ne l'imaginent. Certains deviennent les hôtes de créatures démoniaques issues du Warp, tandis que d'autres succombent à des maladies psychiques qui peuvent ensuite se propager aux esprits des gens normaux. Necromunda est dirigé par une poignée de factions riches et puissantes connues sous le nom de Grandes Maisons. Chaque maison a ses propres traditions, jargons, règles vestimentaires et comportementales spécifiques, ainsi que ses propres aptitudes et objectifs. Les 7 grandes maisons de Necromunda sont les maisons Elmar, Catalus, Tai, Ulanti, Grime, Ranlo et Quaron. Les patriarches et les familles marchandes des grandes maisons s'affrontent afin d'attirer l'attention du seigneur Elmar, et sont prêts à tout pour accaparer les droits d'affrètement, les licences commerciales et les concessions de demeure. Tout en cherchant à obtenir les bonnes grâces de Gerontius, les grandes maisons conspirent contre lui, dans l'espoir que si la chute de la maison Elmar se produit, la leur héritera de son domaine. Les grandes maisons sont principalement des investisseurs, qui ne produisent rien et ne fournissent aucun service. Ensemble, elles règnent sur Necromunda et sont assez fortunées pour effectuer des investissements sur d'autres planètes. En fait, si les grandes maisons tirent leur fortune des marchés de Necromunda, leurs plus hauts dignitaires y passent le moins de temps possible, préférant plutôt profiter de leur vie artificiellement prolongée sur des mondes paradisiaques où la racaille des cités ruches n'est qu'une fiction. Les maisons claniques sont soumises aux grandes maisons et entretiennent les installations industrielles de la planète.
Les six plus puissantes de ces maisons rivalisent presque en richesse avec les grandes maisons, même si aucune d'elles n'a d'intérêt en dehors de la planète, ce qui en plus de cela ne leur est pas autorisé. Les six principales maisons claniques sont les maisons Cawdor, Escher, Goliath, Vansar, Orlok et Delac. Plusieurs autres clans mineurs existent à travers les ruches de la planète, mais aucun n'est aussi puissant que ces six. La plupart dépendent d'une maison et les autres sont en général des parias ou des arrivistes. Les six maisons claniques disposent d'une présence au moins mineure dans la plupart des ruches. Cependant, dans certains cas, une des six maisons peut être totalement absente ou dominer sans partage une ruche. La ruche Primus est la seule à présenter les six sur un pied d'égalité, une politique adoptée par le seigneur Elmar. Les maisons claniques ne disposent pas des privilèges et du statut des grandes maisons. Leurs membres sont confinés aux principales strates exiguës de la ruche, où la vie est sordide et insalubre. Les ruchers, comme ils sont appelés, sont habitués à la faible lumière et à l'air vicié. Ne connaissant rien d'autre, la plupart se satisfont de travailler dans les usines, les ateliers et les autres industries qui constituent l'activité principale des maisons claniques. Celles-ci produisent tout type de biens, de la nourriture aux armes. Ces produits sont échangés et vendus aux grandes maisons, et par la suite, ces marchandises quittent la planète. Un système commercial s'est ainsi développé autour de la compétition entre les clans pour la production des biens et entre les grandes maisons pour leur achat. Malgré la concurrence entre les maisons, beaucoup sont dépendantes d'une ou plusieurs autres pour certaines ressources vitales ou des services de première nécessité. Comme c'est souvent le cas sur la planète, il s'agit d'une stratégie délibérée des plus hautes instances, afin de maintenir la mainmise des grandes maisons sur les immenses richesses de la planète. Les membres des six maisons claniques ne se mélangent généralement pas, et les frontières entre leurs domaines sont soigneusement protégées. Les conflits prolongés entre les maisons sont rares, mais pas inexistants. Ceux-ci sont alors résolus par l'intermédiaire de guerres de gangs, plutôt que par des conflits sans merci entre les forces des maisonnées. Des conflits peuvent être déclenchés pour n'importe quelle raison, de l'entrée illégale à l'invasion caractérisée. Cependant, la cause la plus fréquente d'hostilité est la concurrence commerciale. Cela se produit lorsqu'une maison tente de détruire les infrastructures vitales d'un domaine voisin pour l'empêcher de remplir ses contrats. En cas de succès, le voisin encourt de lourdes pénalités et peut perdre un contrat au profit d'une maison rivale. Les hostilités ouvertes sont rares, principalement parce qu'une guerre entre deux maisons ne ferait que profiter les autres. En outre, les grandes maisons sont fermement opposées au conflit car elles ont un impact sur le commerce et entravent la circulation des marchandises, préférant plutôt menacer de cesser toute collaboration que de tolérer une guerre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster un commentaire sous la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas le pouce bleu et de la partager sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Lord of Warhammer 40 000.